comme les Congolais aujourd'hui. Parce que vous avez des problèmes, hein, ou bien vous n'aimez pas le président actuel. Vous commencez à désirer Mobutu. Mobutu a régné pendant une trentaine d'années et nous a laissé dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Félix qui est là il y a 2 ans. Tu commences à dire que Mobutu revienne. Mais c'est de la folie. Même Dieu peut punir le pays. Pendant 30 ans, nous avons pleuré ici. Mobutu nous a fait souffrir. Dictature et dictature. Mobutu part. Après autant d'années de règne, sans partage. Il nous a laissé le pays par terre. Nous commençons à dire, parce que tu n'aimes pas le président, tu commences à désirer le temps de Mobutu. Moi aussi, j'ai vécu au temps de Mobutu. Il ne faut pas mentir. Nous avons aussi vécu au temps de Mobutu. Il y a des choses, beaucoup de choses qui ne marchaient pas bien. Ce n'est pas parce que Mobutu est passé et qu'il est mort qu'il devient juste un héros. Non. Nous avons crié. Nous avons. Les chrétiens doivent être comme ça. Donc, vous quittez l'Égypte, vous êtes au désert. Alors que vous êtes en transition vers la terre promise, vous commencez à désirer l'Égypte. Les gens qui ont fait ça, Dieu les a frappés au désert. Les serpents les ont mordus. Quand Dieu vous fait sortir de l'Égypte, vous amène vers la terre promise, n'injuriez pas la manne que vous mangez au désert. Ne désirez pas l'Égypte. C'est une transition. Nous passons, nous allons vers la terre promise. Mais nous ne devons pas désirer. Oh, nous aurons voulu être en Égypte. Ils sont morts au désert. Ils ne sont même pas morts en Égypte. Ils ne sont pas arrivés à la terre promise, mais ils sont morts au désert. Toi qui commences à bénir le passé parce que le présent ne te semble pas à ton goût, parce que tu n'aimes pas la traversée du désert, parce que la chaleur te fait mal, mais alors que c'est une chaleur transitoire, tu commences à désirer. Tu peux critiquer la chaleur, il fait chaud. Mais pas désirer, redésirer l'Égypte. Non, critique la chaleur, ça ne va pas. Mais ne dis pas, oh, en Égypte nous étions bien. En Égypte, tu étais un esclave. Tu étais bien en Égypte. Dieu dit, tu as oublié la prière que tu m'as faite. Quand Mobutu était au pouvoir. Il y a des gens qui commencent à désirer Kabila. Que Kabila rentre. 18 ans, Kabila nous a dirigés. Mobutu a dirigé combien? Hein? 32 ans, Mobutu. 18 ans, Kabila. 50 ans. Aujourd'hui, pour 2 ans de transition, tu commences à désirer les 50 ans de misère. Ah, on était bien. Vous étiez bien. Ça, c'est de l'ingratitude. Nous traversons, il fait chaud, c'est vrai. Nous avons soif, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas, parce qu'il fait chaud maintenant, dire que 32 ans, les 32 ans de Mobutu étaient bons. Non! Et les 18 ans de Kabila étaient bons. Non! C'est eux qui nous ont mis dans ce trou. Amen. Il y avait un moment, quand les Belges sont partis, même les Belges, on ne doit pas désirer le temps des Belges. Sous les Belges, nous étions des esclaves. Parce que c'est ce que nous avons fait. Quand les Belges sont partis, nous avons eu nos frères qui dirigeaient Lumumba, Kasavubu. Nous avons désiré le temps des Belges. Et nous avons eu Mobutu qui nous a encore colonisés. Kabila est venu. Le père, il voulait changer peut-être cette chose. Il a aussi, il était animé d'une bonne volonté. C'était notre frère. Il était animé. Il est venu. Nous avons commencé à désirer Mobutu. Et aujourd'hui, nous commettons la même erreur. Critiquons la chaleur du désert. Critiquons la faim du désert. Mais ne regardons plus en Égypte. Avançons. Avançons. N'oublie pas que tu as combattu Mobutu. N'oublie pas que tu as combattu Kabila. Quand il y a une avancée, vous êtes sortis de l'Égypte. Vous avez traversé la mer Rouge. Ah, dites-vous, c'est quand même quelque chose. Nous sommes déjà sortis. Il fait chaud, c'est vrai. Mais nous n'allons pas désirer là-bas. Mais beaucoup de gens le font par mauvaise foi. Amen. Amen. Amen.